Il a reset. Il a reset. I did not even press Q. Je n'ai pas press Q enfoncé. Je n'ai pas press Q enfoncé. Je vous le jure. Je vous le jure. Je n'ai même pas press Q enfoncé. C'est impossible. Je n'aurais pas pu press Q enfoncé puisque la frame. Cette fois aussi. Mais frérot... Ah, ah ouais. J'ai raté mon ulti. Non mais non mais c'est irréel. Je comprends pas trop. C'est vrai. Mais surtout que la Galeforce, même pour prendre un kill, pour prendre un reset, les dégâts là derrière sont importants. Ce petit dash en plus pour aller choper une luxe qui est un petit peu loin en termes de range, enfin, je pense. Je suis pas totalement expert des stuff d'AD mais je pense que c'est pas un bon stuff. Ah ouais, les pyromasheurs là, c'est le kill tout simplement, c'est Shio qui le récupère. Chrony qui continue à accélérer, beaucoup de dégâts de la part de Chrony, beaucoup de dégâts, mais Advienne qui trouve finalement. En même temps, le mot-up, attention, et le dive me Alors, c'est en vrai, c'est terrible. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. Quoi? Mais elle me dash dedans, ça prend que la marque derrière. Bon, elle m'a littéralement dash. J'étais ici. Elle m'a dash ici, ça prend que la marque derrière. Le trouver en niveau 1. Surtout qu'en fait, s'il l'utilise, Fnatic n'a plus du tout de pression. Ouais, par contre, ça dépend aussi. Oh. Il a fait proc la plaque d'os. Bon, plus de plaque d'os, il a raté son premier avec Lux. Ils ont tous les deux pris la première auto-attaque de Jinx en 5 secondes de lane. Ouais. Je le dis sans m'avancer, ce Caitlyn Lux n'est pas fort. Ok. Très bien, très bon. Bah écoute, on est parti ici à Advienne, le First Blood en faveur des BDS. C'est allé si vite, Rekkles qui tente de prendre le kill, mais Chrony qui flash out par mesure de sécurité. C'est allé très vite, mesdames et messieurs, on parlait. Pas dinguerie là, puisque le BO. Oh là là. Ok. Il y a des. Ok, ils ont tous une rose. Ils vont voir ta daronne. pardon. Ça a glissé, excusez-moi. Ah oui. Excusez-moi, pardon. Alors que voilà, les joueurs font leur entrée en scène, mon cher Zermotic. Ça va? Ça va? T'es bien réveillé? Ouais, tranquille. C'était une blague uniquement pour ceux qui se sont levés très très tôt. Ça m'est très bien. Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors qu'on assiste à l'entrée en scène des joueurs qui vont s'installer tranquillement, et comme je le disais, est-ce que Keria va nous sortir des petites dingueries? Puisqu'on a techniquement plus rien à perdre pour les T1, mon cher Zerotic, et pourquoi pas une deuxième défaite de T1. Flashbang ou... Sahaf Turkoum, merci. Je sais pas si ça veut dire bon appétit en arabe, mais merci. Je pense qu'il y a un monde où j'ai outplay le Mordeux, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Allez, vas-y mec, finis-moi ça par pitié. Sois humain. Merci mec. Je crois que j'ai réussi à E son ult, à Mordeux il me semble. Ah mais putain, ils se mettent pas d'accord. Fit, IEP, LPJ. Yep. Ah oui, yep, c'est pas mal. Je vais mettre Yep. Non, je vais mettre LPJ, ça sera plus facile à capter. Paf. Oh, le bingo de la chance. Ouais, mec, c'est Summoners War Chronicles, c'est un nouveau MMO. N'hésitez pas, les amis, à y jouer. Si vous y jouez, n'hésitez pas à me DM. Je vous ajoute dans la conf JCS. Summoners War. Ah, on me signale qu'on s'en bat les couilles de ton jeu de merde.
Ah ouais, d'accord, on en est là. Non, mais... franchement, bien joué, bien joué. Ça mérite. Ouais, il a passé, désolé. Je vais péter un tas. Je peux le tuer, les gars. Allez. C'est quoi que tu nous fais là, c'est Mario Kart? Ouais, je sais pas. Tu fais ce que j'avais envie de dire. On repasse un tour.